Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Arif. Madame Arif, toujours ponctuelle. Ah, dites donc, qu'est-ce qui fait froid ce matin? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, un balayage, comme d'habitude. Un balayage. Comment ça va, Fanny? Très bien, merci. Et vous, ça va comme vous voulez? Tout va très bien, merci. Hop. Allez vous installer là-bas. D'accord. Mais c'est la petite Florence. Vous êtes de retour parmi nous? Bah oui. Bah évidemment, c'est autre chose que d'avoir son propre salon. Ah, de toute façon, j'avais envie de changer. Ah. Je prends même des cours pour devenir esthéticienne. C'est bien. Et votre mari, il a toujours son salon à Saint-Mandé? Un salon? Oh, celui-là, on peut dire qu'il s'est bien débrouillé. C'est lui qui me coiffait quand il travaillait ici. Je l'aimais bien. On n'est plus ensemble. Attendez une petite seconde. Hmm? Merci. Alors, le balayage? Oh, un petit peu plus de mèche que d'habitude. Ça va? Fais chier l'autre avec ses commentaires. C'est bon, ça va, tu la connais, tu sais comment elle est. Hein. C'est pas la peine de faire un drame. Je m'inquiète. C'est bizarre depuis dimanche. C'est sûr que s'il doit faire la gueule tout le temps... Je fais pas la gueule. C'est le déménagement qui le chamboule. Ça doit être sa manière de réclamer l'attention. Chez papa demain. C'est ton père, c'est normal que tu le vois. Tu sais, c'est pas parce qu'on est plus ensemble que tu dois pas le voir. Tiens. Non, mais pas. T'as rien mangé. J'ai mis du sel dedans. Moi, j'ai mis du sel? Ouais. Tu devrais goûter, c'est vachement bon. Tiens. Tu parles, c'est horrible. Allez, vas-y. C'est effroyable. Allez. Allez, s'il te plaît. Non, non, jamais de la vie. Yark. Allez, tu préfères la purée? Mange. Pour me faire plaisir. Tu penseras? T'es coiffé n'importe comment. Ouais? Ouais, c'est moi. Tu m'ouvres? Joël descend. Alors, bonhomme, la forme? Ouais. Hé, dans quelle main? Non. Eh non, t'as perdu. Tiens. J'ai ton sac. C'est cool, il y a du vent, on va pouvoir faire de la voile. Ouais. Hein? Enlève ça, à quoi tu ressembles. Allez. T'as goûté? Ouais. T'as mangé quoi? Eh, hey, monte devant, t'es grand maintenant. Non, c'est interdit. Comment ça, c'est interdit? T'es lassé, c'est interdit aussi? Ah là là. Pour les faire, ta mère. Ouais. Y'a quelqu'un, lequel? Non. Elle est toute seule? Ouais. Hop là. Allez, en week-end. Il y a quoi dans ton sac? Bah, les affaires. Il faut. Bah, il est sympa ton appart. Bon, c'est pas le pavillon à Saint-Mandé, mais je vais à sa chambre, c'est bien ça. J'avais pas envie d'aller chez Xavier. Ah bon? Bon, ça va, un week-end sur deux, c'est pas la mort. C'est pas toi qui lui mets ses idées en tête. Donc, tu veux y plus voir Xavier, c'est une chose, mais que Joël voit son père, c'est bien quand même. En tout cas, ça me fait
plaisir que tu sois là. J'aime pas être toute seule. Il va falloir qu'il ferme, le petit. 2 h du mat, il est encore là. Moi, je commençais vraiment à fatiguer. Là, je lui pose l'addition discrète, c'est genre pour pas me faire remarquer. C'est ce qui me sort. Attends, je te le fais. Prends sa serviette. Monsieur, auriez-vous l'amabilité de composer le 17? Pardon? Oui, le 17. C'est un service bien connu de nos concitoyens, dénommé la police. D'autant plus que je n'ai pas les moyens de vous payer cet humble repas. 2700 balles, l'humble repas. Tu parles. Ça va, Florence? Ouais. Tes cours du soir, ça va? Oui. J'ai un peu de mal à y aller. J'aime pas laisser Joël tout seul. Faut pas trop le couver, hein, pense un peu à toi. Mm. Ah, puis t'es libre maintenant, hein. Profites-en. T'aurais dû amener ton copain, le grand blond mignon, là. Mm. Il est célibataire. Non, mais ça va, hein, je suis bien comme ça. Je suis bien toute seule. T'en as pas vraiment l'air, mais bon. Enfin, je dis ça, tout est relatif, hein. Oui. Tu m'as manqué. Allez, toi aussi. Bah alors, t'as rien à me raconter? J'ai sommeil. T'as mangé chez ton père? Mmh. Hein? Va prendre ta douche. Joël? Bah alors, tu prends pas de douche? Non. Je peux le faire tout seul. Mais ton pyjama, allez. Tu me laisses? Cadeau de ton père? Tu veux pas l'ouvrir? Non. Bon, je viendrai te faire un bisou tout à l'heure. Voilà, tiens. Tu sais quand t'es là-bas. Papa, il t'empêche quand même pas de téléphoner. Non. Bon. Attends-moi là, faut que je parle à ton père. Tu t'es pas planqué derrière ton interphone aujourd'hui, c'est bien. Arrête. On pourrait quand même s'embrasser devant lui, non? Ce serait mieux. Écoute, il faut que tu prennes soin de lui, il est fragile en ce moment. À qui la faute? Si tu crois que c'est facile de rattraper 15 jours en un week-end, hein? Merci, Florence. Allez, viens, Mucho. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, peut-être un tour en montgolfière.
Pour commencer, j'ai pas de machine à la maison. Pourquoi t'as pas demandé à ton père de s'arrêter quand t'as eu envie? Je suis contente de vous voir, Madame Masson. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. L'institutrice de Joël m'a fait part d'un changement dans son comportement. Il s'est isolé de la classe. Il a eu des problèmes avec des camarades et il refuse même d'aller en récréation maintenant. Vous le saviez? Oui. Enfin, non, il parle pas beaucoup. Je crois que vous êtes en instance de divorce. Oui, ça doit être ça qui perturbe. J'ai eu un entretien avec Joël. Effectivement, il n'est pas très bavard. Je lui ai fait faire des dessins. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs et la signature est barrée. Et là, vous avez un dessin d'un autre enfant. Vous voyez, c'est beaucoup plus coloré. En général, on peut interpréter ce qu'il a dessiné comme un sentiment d'agression. Votre ex-mari était-il violent avec vous? Ça lui arrivait. Mais jamais avec Joël. Votre fils est-il déjà interposé au cours d'une scène? Les derniers temps. Une fois, oui. C'est ce qui vous a décidé à divorcer, n'est-ce pas? Vous voulez dire que c'est de ma faute? Non, pas du tout. Si votre fils se sent agressé, c'est peut-être qu'il a été brutalisé. Faudra l'emmener voir un médecin. Vraiment, je peux vous en indiquer si vous voulez. Regarde Joël, il avait besoin de prendre l'air, c'est tout. Tu verras la tête qu'il fait quand son père vient le chercher. Bah, c'est normal, il doit se retrouver coincé entre vous deux, de se sentir obligé de choisir. Ça se trouve, c'est une manière de dire, t'inquiète pas, maman, t'es ma préférée. Ouais, t'en dirais Suzanne. Et tes parents? Quoi? Vous êtes toujours fâchés? Ouais. Bah, ça aussi, ça doit être dur pour Joël. Écoute, Florence, je sais que Xavier a eu des torts, mais c'est fini maintenant que vous êtes séparés. Je suis sûre qu'il a recommencé. Joël t'a dit quelque chose? Je te jure que s'il lui a touché un cheveu... T'as vu, maman? J'ai peur pour toi, Florence. Peur pour moi? On dirait que Xavier t'obsède. Pas lui, ce qu'il est capable de faire. Joël? Joël, je trouve pas ton pyjama. Non, j'ai mal au ventre. T'as de la fièvre? Tu veux lui dire? Que t'es malade. Il va revenir.
parti. T'inquiète pas. Si t'avais fait quelque chose, tu me le dirais. Hein? Joël, dis-moi ce qui s'est passé. Il t'a grondé? Il t'a dit des choses méchantes? Il t'a tapé? Comment ça? Il m'étouffe. Je peux plus respirer. Il y a un souci. Toi, t'as pu. De quoi tu parles? T'es bon à être enfermé. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu débloques? Tu lui as fait le soleil. Bah, ça y est, ça recommence. Joël est malade. Tu l'as rendu malade. Tu veux foutre la merde pour m'empêcher de voir Joël, c'est ça? Tu le verras plus. Attends, je vais le voir ce week-end, d'accord? Sinon, j'appelle le juge. Mais vas-y, appelle-le. J'en ai rien à foutre. Tu te sortiras pas cette fois. Facile de s'en prendre à Joël, hein? C'est comme ça que tu prouves ta force? Mais tape-moi plutôt, vas-y, tape-moi, qu'est-ce que t'attends? Allez, casse-toi. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Demain, j'appelle le juge. Demain, t'appelles le juge. Dégage. Dégage. Oui, tout. Arrête! Tout. Tu veux m'embrasser, c'est ça? Hein? Vas-y, vas-y, embrasse-moi. Allez. Comment t'as pu faire un truc pareil? Allez, faut arrêter maintenant. D'accord? Allez, dégage. Tu prends toujours ton bain seul? Oui. Et ton papa n'entre pas quand tu te laves? Non. Tu dors où quand t'es chez ton père? Dans ma chambre. Ton papa te lit une histoire? Non, jamais. J'ai emporté tous mes livres quand je suis partie. Il vient quand même éteindre la lumière? Oui. Il t'embrasse pour te souhaiter bonne nuit? Non. Il t'embrasse jamais? Non. Viens, bonhomme. Tu m'attends à côté? Je vais parler avec ta maman. Vous venez? Asseyez-vous. Bon, par rapport à ce qu'on s'est dit avant que je parle avec Joël, si vous déposez une plainte pour attouchement avec violence sur mineur de moins de 15 ans, c'est un juge d'instruction qui va s'occuper de votre divorce. Ce ne sera plus le juge aux affaires familiales, on est d'accord? Tout ce que je veux, c'est protéger mon fils. Enfin, vous aurez intérêt à prendre un avocat spécialisé. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Bon, on reprend au début? À quel moment ça a commencé? Avant votre séparation? C'était pour être le plus fort. C'est fini tout ça maintenant.
On est parti. Il n'avait pas le droit de te faire ce qu'il t'a fait. Il n'avait pas le droit. Tu comprends? Tu comprends? Il n'avait pas le droit. On peut le mettre en prison? Ouais. On peut l'empêcher de te faire du mal. C'est pas ta faute. Hein? Pourquoi tu n'es plus à tes cours? Ça peut attendre. Puis ça me plaît bien d'être manucure. Tu sais pourquoi j'ai commencé à faire ce métier? Bah, quand j'étais petite. Même après, hein. Je me rongeais les ongles. Je les bouffais comme ça, tout cru. Alors, t'imagines une manicure avec les ongles tout rongés? C'est pas possible. Allez, au doudou. D'accord. Dans le temps, c'est lui. Hop. Baignez, maman. Allez, on mange. Écoutez, Madame Masson. Rondo, je ne veux plus porter son nom. Encore le nom de votre fils. Le problème, c'est que nous n'avons pas de preuves. Vous voulez des preuves? Mon fils est malade, ça crèverait les yeux de n'importe qui. Mais vous pensez bien que votre mari va se défendre. Ce sera sa parole contre la vôtre. Vous ne me croyez pas? Il ne s'agit pas de vous. Il y a de plus en plus de cas de divorce conflictuel où les pères sont accusés de pratiques incestueuses. Les juges sont devenus très prudents. Écoutez, Maître Arieux. Il doit bien y avoir un moyen pour mettre les mômes à l'abri en cas de mauvais traitement. Oui. Le juge peut demander une comparution immédiate à la brigade des mineurs, mais c'est pas sans risque. Votre fils risque d'être placé pendant toute la durée de l'instruction. On peut pas me l'enlever. Ça a aucun sens. Excusez-moi. Oui, allô? Ah, bonjour, maître. Oh non. Les rouges. Ça te va? T'as vu, il y a des livres et des jouets. Amuse-toi pendant que je parle avec ta maman, d'accord? Fils est, disons, perturbé. Quand on lui demande de décrire ce qui s'est passé, il parle du soleil. L'expression est de vous? Non, de son père. Il faisait ça quand il n'arrivait pas à autre chose. Ça consiste en quoi, exactement? Ben, il s'allongeait sur moi, nu. Moi, j'étais nue aussi. Il me bloquait les jambes et les bras. Et il m'écrasait tout son poids jusqu'à que j'étouffe. Tant contre moi. J'arrivais plus à respirer, j'avais chaud. La tête qui tournait, il appelait ça faire le soleil. Vous en avez parlé à Joël? Ben non. Écoutez, Madame Masson, soyons francs. Vous êtes venue me voir pour que j'appuie une plainte contre votre ex-mari. Tout ce que je peux faire, c'est transmettre un signalement au procureur de la République. Mais vous direz... Vous direz quand même ce que mon fils a subi? Il a tout juste parlé de soleil. Nous ne savons pas encore ce que cela représente symboliquement pour lui. C'est vous qui donnez un sens très particulier à cette expression. Non mais je rêve ou quoi? Vous êtes docteur. Vous avez bien vu qu'il souffre. Un enfant peut aller très loin par amour pour sa mère. Ok, débrouillez-vous comme vous voulez. Moi ce que je veux, c'est que le procureur sache ce qui s'est passé. Je suis lié par le secret médical et notre conversation restera confidentielle. Sans preuve, je ne peux rien faire. C'est à vous de me donner les preuves, je suis venu pour ça. Alors qu'est-ce que vous proposez, que Joël continue à voir son père? La plainte va être instruite, il y aura une expertise. Quelle expertise? Des examens, pour déterminer si votre fils, enfin s'il y a eu pénétration. Quoi? Mais vous avez vu dans quel état il est? C'est dans son intérêt. Tout ce que je peux vous proposer, c'est de faire suivre à Joël une psychothérapie. 2 fois par semaine. Ça irait? C'est parce que je crois pas que Xavier soit allé jusque-là. En réalité, il s'est jamais vraiment occupé de Joël.
C'est même après sa naissance qu'il a commencé. Il trouvait que je m'occupais trop de lui, il me le faisait payer. Mais devant les autres, il était fier de dire mon fils, ma femme, mon salon. Quand je pense que c'est ça qui m'avait impressionnée au début. Excusez-moi d'insister, mais je doute qu'on puisse faire aboutir la plainte et obtenir la déchéance des droits paternels sans passer par cet examen. Même si j'espère comme vous qu'il n'apportera aucune preuve. Et si on perd? Faites-moi confiance, on ne perdra pas. Merci. Florence, tu montes, tu es toute seule là-haut. J'arrive. Oui, mais maintenant. Il y a quelqu'un? Florence? Ne dites pas que je suis là, je veux pas le voir. Xavier, bonjour. Comment il va? Très bien. Salut Suzanne. Ah, ça va les affaires? Oh, ben j'ai pas à me plaindre. Ouais, c'est cool. Vous avez changé quelque chose, là, non? Oui, ça. Les lumières, en général. Ah, c'est joli. C'est joli, hein. Ah, j'ai terminé mes travaux dans le salon, il faudra venir me voir, je m'occuperai de vous. Oui. Une petite coupe? Non. Florence n'est pas là? Non, elle est partie faire une course. Elle est partie faire une course. Ah, c'est dommage. J'aurais voulu lui faire la surprise, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, oh, mais je savais pas. Je lui donnerai. Oui. Tiens, ma famille. Salut, Xavier. Salut, Fanny. Ça va? Ça va. Tu pourras dire à Florence que je prends Joël ce week-end. Ah bah oui, mais ce week-end, on fait les peintures chez elle. Joël avait vachement envie d'être là. Je suis pas au courant. Ah non? On dit jamais rien, moi, alors voilà, quoi. Bah, tu vois avec elle? D'accord. Bah, qu'elle m'appelle. D'accord. Au revoir. Au revoir, Xavier. Ça, c'est ton anniversaire? Non, pas du tout. Il a fait tout ça pour vous. Gardez-la. Tu lui ai dit pour Joël pour ce week-end, par contre, faut que tu rappelles si tu vois avec lui. Merci. J'en prends. Excuse-moi. Tu connais Joël? Oui. Joël Masson? Oui. Mais elle est pas encore sortie? Mais je sais pas, il faut rester étude. Ils ne sont pas venus me chercher à 4h30. Putain. Merci. Comment ça, il est dans son droit? Et vous servez à quoi, maître Rieux? Mais non, je peux pas être calme. Non? J'ai appelé chez Xavier, ça répond pas. Mais bien sûr. Bien sûr, j'ai envie de gagner le procès. Oui, je note. Merci. Au revoir. Tiens. Florence. Tu vas pas rester toute seule, hein. Qu'est-ce que tu prends, là? Franchement, avec la plainte qu'il a sur le dos, ça m'étonnerait qu'il recommence, hein. Il a intérêt à se tenir à carreau. Putain, mais c'est dingue, personne ne se met à la place de Joël. Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment, à votre avis? Il doit être mort de trop, il doit penser que je l'ai condamné. Mais il peut pas penser une chose pareille, tu te mets en quatre pour lui. Non mais attends, tu pensais quand même pas que ça allait être aussi simple que ça, hein? C'est toujours la même histoire, hein. Les embrouilles de couple, ça change pas, hein. Mon Marc, arrête, s'il te plaît. C'est bon, c'est pas les couples, c'est Florence et Xavier. Mais non, mais... Ça m'énerve. Attends, mais j'essaie, moi, j'essaie. C'est bon, arrête. T'es sûr que tu veux pas venir à la maison? Non, j'ai envie d'être... Y a pas de problème, seule. Vraiment, tu... Pas de problème.
Maman ? Je suis venue te chercher. Tu passes par derrière et tu passes par la salle où il y a le billard. Ouais. Prends tes affaires. Vite. Ok. Habille-toi bien, il fait froid encore. Madame Masson. Vous êtes consciente, madame, de la gravité de vos accusations. Vous avez demandé le divorce pour faute. Violeur conjugale, monsieur le juge. Que vous avez supporté pendant 10 ans sans porter plainte. Vous voulez m'obliger à les retirer. Vous pouvez demander au commissariat. Madame, je suis obligé de m'en tenir aux pièces du dossier. À l'occurrence, monsieur le juge, il ne s'agit pas de ma cliente, mais de son fils. Fils que vous avez enlevé en pleine nuit à la garde légitime de son père. Si c'était votre fils, vous auriez fait quoi? J'ajoute que votre ex-mari nous a signalé votre faute, mais vous avez de la chance et ne porte pas plainte. Je rêve. Si vous le voulez bien, monsieur le juge, concentrons-nous sur le dossier de ma cliente et sur sa plainte. Ce ne sont que des présomptions. Vous avez quand même le signalement du pédopsychiatre. Il n'est pas expert auprès des tribunaux, maître. Il faudrait pouvoir qualifier ses attouchements. Pourquoi n'avez-vous pas fait examiner l'enfant? Pouvez-vous m'accorder 5 minutes, je vous prie? Je vous en prie. Vous n'en loupez pas une? Ah oui? Vous ne faites vraiment rien pour m'aider. Je vous avais prévenu que le refus de l'examen médical jouerait contre vous. Si vous tenez absolument à ce que votre ex-mari gagne, continuez comme ça. Ouais, c'est ça la justice, hein? Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Et évitez de dire ce genre de choses au juge. Vous êtes calmé? Mon client est indigné, meurtri. Nous envisageons une plainte reconventionnelle pour laver notre nom. Laissez parler, monsieur Masson, maître. Qu'est-ce qu'on peut répondre à telles accusations? Ça dépasse l'imagination. Ma femme a toujours été fragile. D'ailleurs, elle prend des médicaments, ça pourrait expliquer, mais ça n'excuse pas. Pour moi, elle est en plein délire. Oui, madame Masson a reporté tout son amour, toute sa raison de vivre sur son fils et ne veut pas le partager. Voilà la vérité. Parlez-moi de Joël. Elle l'élève dans du coton, elle le maintient dans ses jupes, c'est pas sain. Je pense qu'un enfant a besoin de son père à ses côtés pour trouver un équilibre. Réfléchissez bien, monsieur Masson. Avez-vous jamais eu devant votre fils une parole, un geste ou même une intention qu'il ait pu interpréter comme une menace à son intégrité physique? Jamais. Qu'elle ait seulement pu imaginer une chose aussi... Je comprends pas. Le témoignage de votre fils corrobore celui de madame Masson. Mais c'est Florence qui lui monte la tête. Le mot soleil évoque-t-il quelque chose pour vous, monsieur Masson? Ça m'est arrivé de jouer avec mon fils un autre au soleil, oui. Comme beaucoup de pères. Vous connaissez, non? On avance et on stoppe net au mot soleil. Notez cette dernière remarque, mademoiselle. Madame Masson, voulez-vous bien me suivre? Le droit de visite de M. Masson est fixé à 2 heures par semaine dans un point rencontre. Les vacances scolaires restant partagées par moitié entre les deux parents. Voilà. Merci.
C'est un début. Au moins, je vais venir chez son père. Oui, mais il continuera à le voir. Sous surveillance. De toute façon, pour une ordonnance provisoire, on ne pouvait pas espérer mieux. Je comprends pas qu'il lui ait laissé la moitié des vacances. Votre ex-mari s'est engagé à ne pas partir seul avec lui. Vous saviez qu'il avait rencontré quelqu'un? John m'a dit. Prof de maths. Tout ce que j'espère, c'est que c'est du sérieux. Vous m'aviez pas dit que vous preniez des cachets. Et alors? Bah, ils vont s'en servir contre nous. Ah oui? Ça prouve quoi? Que Steve m'a rendu malade comme il rend Joël malade? Moi, je prends des cachets et Joël voit un psy deux fois par semaine. Ce sera retenu contre nous? Mais évidemment. Il va tout faire pour récupérer l'intégralité de ses droits. Il va essayer de faire pencher les enquêtes psychologiques et sociales en sa faveur. Et nous, on va faire la même chose. Joël doit absolument passer cet examen médical. Vous savez, il y a peut-être une assistante sociale qui va venir vous voir. Pour vous poser des questions sur moi, la façon dont je m'occupe de Joël. J'ai rien à te reprocher, Florence. Je travaille bien. Très bien. Mais si on me demande ce que je pense de ta vie privée... Xavier vous a appelé? Il s'est confié à moi, c'est vrai. Comment t'as pu l'accuser d'une chose pareille? C'est la vérité. Je suis pas aveugle, Florence. C'est jamais beau un divorce et je sais de quoi je parle. Mais en venir à une pareille horreur... C'est absurde. Je vous interdis de me juger. Vous ne connaissez pas Xavier. Florence? Qu'est-ce que tu fais? Je vous emmerde, je me tire. Ne fais pas l'idiote, qu'est-ce que tu feras sans travail? Je me débrouillerai. Florence, attends! Florence! Tiens. Je veux pas aller voir notre docteur. Je t'ai déjà expliqué. Maître Rieu dit que c'est une dame très gentille. Allez, fais un effort. Mange. Tu veux le voir demain, papa? Oui, mais dans un point rencontre. C'est un endroit où il y aura plein de gens autour de vous. Tu seras pas tout seul. Voilà, amusez-vous bien. Merci. Salut toi. Oui. Ça va? Oui. Ouais. Bien. Oui. Regarde ce que j'ai pour toi. Excusez-moi, vous auriez l'heure? Oui, il est 14h05. Merci. Ça va? Oui. Tu crois pas que t'as passé l'âge? Joël? Tu préfères pas jouer avec la voiture que je t'ai offert? Regarde, je vais te montrer toutes les fonctions. Tu sais? Marche avant, marche arrière. Tu connais? Elle te plaît? Elle est bien, hein? C'est un 4x4. Viens voir. Hop, hop, hop! Tu bounes? Non. Si, tu bounes. Je te connais, c'est moi qui t'ai fait. Tu boudes? Pourquoi tu boudes? T'as des soucis? Non. Regarde-moi. Non, j'en ai pas. T'es sûr? Ouais. Alors qu'est-ce que t'as raconté à maman la dernière fois? Rien. Moi, j'attendais dans mon coin. Et ils se sont vus 2 heures sous surveillance. Sauf que c'est Joël qui a le sentiment d'être puni.
entre les médecins, les assistantes sociales. Toutes ces questions qu'on lui pose. Puis cet examen horrible qu'il a dû faire. Allez, ce sera bientôt terminé. Toi, tu vas arrêter de déconner. D'abord, tu vas reprendre le boulot. Suzanne passe l'éponge. Mais attends, j'hallucine, elle passe l'éponge. Faut pas lui en vouloir, Xavier l'a embobiné. Il embobine tout le monde. Suzanne t'aime bien, je suis sûre qu'elle ira rien contre toi. Seulement si t'as pas de boulot, ça sera pas du meilleur effet au procès, tu vois. C'est vrai. Allô? Florence, c'est pour toi. Maître Rio. Allô? Vous savez le résultat de l'examen? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai assez d'attendre, Joël va pas mieux. Au revoir, maître. Sur ton après-midi, si tu veux. Merci. Flo! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'invite à déjeuner. Tu te fous de moi? Non, pas encore. Seulement juste de m'écouter, qu'est-ce que tu risques? Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Ah non, tu sais pas? Écoute-moi, c'est trop dur de voir Jeanne dans ces conditions. Bah, fallait y penser avant. Laisse-moi parler. Le voir dans cet endroit sinistre, c'est trop moche. Je dis pas ça seulement pour moi, mais pour lui aussi. Oui, oui, bien sûr. Tu voudrais surtout pas lui faire de peine, hein, Joël? Ah, je comprends que tu sois méfiante. Je comprends même que tu sois méchante avec moi. Méchante? Ah, tu m'en veux, je t'en veux, ok, mais ça, c'est pas ce qu'on s'est aimé. T'as pas oublié ça, quand on s'est aimé, j'aurais fait n'importe quoi pour toi, Florence. Arrête. C'est toi qui as voulu partir. Florence, c'est toi arrête. Qui as voulu partir. J'ai eu du mal à l'accepter. Aujourd'hui, je suis en train de refaire ma vie. Alors, arrêtons ce gâchis pour Joël. Je suis pour oublier le mal que tu m'as fait. Que je t'ai fait? Mais t'es en train de me traîner dans la boue. Tu peux foutre ma vie en l'air, Florence. Je comprends, j'ai eu des torts. On était sans doute trop jeunes, tous les deux. J'ai fait des erreurs, maintenant tu veux me faire payer, c'est normal. Mais il y a Joël aussi, et il paye. Mais c'est ta faute. Je te jure qu'il s'est rien passé. Joël est complètement perturbé. C'est malheureusement souvent le cas dans les divorces. Faut voir les choses en face. On est responsables tous les deux, non? Je préfère ne plus voir Joël que de continuer dans ces conditions. Bien sûr, il va manquer. Vous allez manquer tous les deux. Mais c'est pas possible. C'est trop dur. Ça m'est égal. J'ai pensé que si on pouvait le voir ensemble, si on pouvait passer des moments tous les trois, comme avant. T'es malade? Non. On pourrait essayer au moins une fois. Au lieu de se battre, de se déchirer. Je suis sûr que si nous voyions tous les deux, si on pouvait lui montrer qu'on peut être amis, il irait beaucoup mieux. Il se sentirait pas obligé de prendre parti. Si ça marche pas, je disparais. Je vous laisse tranquille. On peut essayer de régler ça entre nous. La justice, les avocats, les flics, ça fait qu'envenimer les choses. On y va? Bien là? On est bien tous les trois, non?
Oui, allô. Bonsoir, c'est Florence. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Je voudrais retirer ma plainte. Ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis. Non, vous n'avez pas réfléchi, c'est votre mari. Mais non, je crois que ce serait mieux pour Joanne. Bon, écoutez, Florence, c'est complètement incohérent et ça ne jouera pas en votre faveur. Vous allez retirer votre plainte et après vous le regretterez, mais ça sera trop tard. Vous aurez perdu toute crédibilité, vous perdrez Joël. Alors vous ne retirez pas cette plainte, vous m'entendez? Je vous l'interdis. Ok? Allez, bonsoir. Et Florence, t'as 2 minutes? Ça va? Tu as retiré la plainte? C'est pas aussi simple, j'ai eu mon avocat hier soir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'avocat? Je croyais qu'on devait régler ça entre nous. Je la retirerai pas. Tu veux pas la retirer? Hé Florence, ton problème il est là, t'as jamais su ce que tu voulais. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas allé au point rencontre? C'est Xavier qui m'a dit qu'il voulait plus voir Joël là-bas. Parce que je vais partir à ma plainte, il se venge, c'est tout. Bon, allez, venez, ne restons pas là. Je suis condamnée à verser une amende de 2000 francs et j'ai jusqu'à 3 mois de prison. Avec sursis, la prison. Oh, génial! Vous êtes mise dans votre tort, Florence. Je vous avais dit de faire les choses dans les règles. Vous n'êtes pas toute seule. J'espère bien obtenir la déchéance des droits paternels, mais jusqu'au procès, vous devez être irréprochable. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Excusez-moi, je dois plaider. Ça va, c'est été? J'emmène Joël au sport d'hiver, alors pas de faubourg cette fois-ci. D'accord, Florence? Salut, tétard! À vendredi! Mais c'est quoi ce bonnet? Je voulais pas. C'est lui qui me l'a mis. Il fallait le dire. Joël! 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 T'as rien? Tu peux respirer? Ouais? Vous êtes complètement cinglé de rouler à cette vitesse, non? Je suis vraiment désolé. Et toi, c'est pareil, pourquoi tu lui lâches la main? Tu nous lâches, merde! Je veux pas y aller. T'es sûr? Faut pas que tu penses à moi, t'as toujours eu envie d'aller skier. Puis il y aura la prof de maths avec vous. T'es sourd ou quoi? J'irai pas. Je peux te crever. Quand tu me parles sur un autre ton? On va trouver une solution. Tu me fais confiance? Pas. Joël est pas prêt? Non, il peut pas aller à la montagne à cause de son asthme. Depuis quand il est asthmatique? Écoute, je suis pas médecin, toi non plus. À l'hôpital, ils ont marqué tous les détails. À l'hôpital, ils ont marqué tous les détails? Depuis quand tu couches avec les médecins, toi? Bon, Xavier? On y arrive. Pardon? C'est qu'on y arrive. Bon voyage. Joël a brusquement cessé de jouer, de rire, d'écouter en classe. Nous sommes très attentifs à ces signes parce qu'ils se retrouvent quasiment dans tous les cas d'abus sexuels. Mademoiselle, si je ne me trompe, vous venez d'obtenir votre diplôme. Et ce poste en milieu scolaire est votre première affectation, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai rien à ajouter. D'après les dires de l'enfant,
La position décrite est celle du missionnaire. Mais il aurait aussi pu assister à une scène d'amour et, disons, faire la confusion entre les rôles d'acteur et de spectateur. Inspecteur, vous n'excluez pas qu'il ait subi des attouchements? Non. Vous avez constaté qu'il était perturbé? Oui, oui, il était perturbé. Il témoignait dans un commissariat. C'est toujours intimidant, surtout à cet âge. Je vous remercie. Bien, vous pouvez retourner à votre place. Je sais que Xavier battait Florence. Vous l'avez vu, ou bien c'est Madame Masson qui vous l'a raconté? Il n'aurait jamais fait ça en public. Il est bien trop malin. Florence a porté plainte plusieurs fois, mais il a forcé toujours à les retirer. C'est un manipulateur. Il ne supporte pas qu'on lui résiste. Mais vous avez bien l'air de connaître Monsieur Masson, auquel d'ailleurs vous-même n'avez pas résisté. Mademoiselle Boileau, est-il exact que vous avez eu une aventure avec mon client? C'était juste une fois, et avant qu'il soit marié. Marié avec votre meilleur ami, ce qui pourrait expliquer que vous lui en vouliez, disons, d'avoir fait le mauvais choix. Je n'ai rien à ajouter. Merci, vous pouvez retourner à votre place. Quels sont vos liens avec Monsieur et Madame Masson? Xavier et Florence ont tous les deux travaillé chez moi, c'est là qu'ils se sont rencontrés. La cliente aime bien Florence, elle est sérieuse, attentive. Je vois bien que cette histoire la trouble, beaucoup. C'est dommage. Eh bien, ça fait 3 mois maintenant que je vis avec Xavier Masson. Écoutez, je trouve qu'il se comporte comme un père attentionné et responsable. On devait emmener Joël avec nous en vacances à Chamonix. Il avait pris des chambres dans un très bon hôtel. Je pense que Xavier est quelqu'un qui tient en tout cas à ce que son fils ne manque de rien. Vraiment. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Dois-je rappeler, Monsieur le Président, que la plainte de Madame Masson ne repose sur rien. Aucune preuve. Seulement le fruit de l'imagination d'une mère. Dans son état, elle a pu déstabiliser son fils. Elle a même failli en faire la victime d'un accident de la circulation. Nous avons des témoins. Mais c'est faux, Joël a voulu mourir. Voulu mourir? Cette femme est en plein délire. Je pose une question. Qui devrait être déchu de ses droits parentaux? Monsieur le Président, Joël est un petit garçon qui a été abusé par son père. Au-delà de l'horreur de la situation, de l'horreur physique, c'est une souffrance morale épouvantable. Il risque d'en garder les séquelles toute sa vie. On sait que dans ces cas-là, les enfants se sentent salis, honteux. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils se sentent coupables aussi. Et pourtant, malgré ça, malgré la peur, malgré la honte, Joël a osé parler. S'il a trouvé le courage de parler, c'est parce qu'il avait besoin d'aide, mais aussi parce qu'il fait encore confiance aux adultes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je crois que ce serait extrêmement grave de trahir cette confiance. Je vous remercie. Le tribunal déboute Madame Masson et rend son droit de visite à Monsieur Masson jusqu'au jugement de divorce. Rien n'est perdu, on va faire appel. Allez, asseyez-vous un peu. Je sais que j'ai raison. Écoutez, c'était logique. À partir du moment où la plainte pour attouchement était classée sans suite, on ne pouvait plus gagner. Ça veut dire quoi pour eux, classée sans suite? Même s'il n'y a pas eu viol, Xavier s'est couché sur Joël, pas à côté. Résultat, c'est que Joël, il est complètement traumatisé, alors vous classez ça comment, vous? Mais moi, je suis d'accord avec vous, Florence. J'aurais jamais dû vous écouter, hein, avec vos belles phrases, vos règles, vos lois. Vous voyez, ça fait pas le poids contre un type comme lui. Écoutez, moi je fais ce que je peux. Hein. Si vous n'êtes pas contente, vous pouvez toujours changer d'avocat. Peut-être bien, ouais. Vous auriez du feu? Mon feu. Allez, mets-toi sous la couette. Non. Si, 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 si. Je vais, maman. T'inquiète pas, mon ange, elle va revenir, maman. Voilà. Xavier? C'est sympa de venir me voir. Tu sais, pour ce que t'as dit, je suis d'accord. On verra Joël tous les deux comme des amis.
C'est quoi encore ce délire? J'ai gagné, je gagne toujours. Je retirerai ma plainte. Trop tard. T'aurais jamais dû essayer de me baiser la gueule. Tu veux que je perde quoi? Le boulot? Toi? La maison? Que touche pas. Ton odeur. C'est ton odeur que je vais retrouver sur Joël. Je voudrais me faire crever. Mais alors, où t'étais? Je me suis super inquiétée, moi. Excuse-moi. Joël, t'imagines? J'ai eu un mal fou à le calmer. J'emmène Joël, on se tire. Quoi? Mais tu vas aller où? Je sais pas, n'importe où, loin d'ici. Attends, tu vas pas foutre ta vie en l'air à cause de ce type, hein? J'ai été le voir. J'étais encore assez conne pour aller le supplier, cette ordure. Florence, tu vas pas tout plaquer comme ça. T'as ta vie ici, t'as ton boulot, tes amis. Joël, t'as pensé à Joël? Je pense qu'à lui. Écoute, j'ai tout essayé. Maintenant, j'ai plus le choix, il faut que je parte, c'est tout. Tu vas pas partir en pleine nuit. Attends demain, tu feras plus clair. Tu comprends pas qu'il est fou. C'est un malade. Il ne lâchera pas, il faut partir. Maman! Oui, mon ange. Oh, mon ange, je suis là. Oh. Faut te lever, on va partir en voyage. Pourquoi? On va où? On va aller se cacher. Papa, il est très fâché contre nous, alors... Habille-toi, petit basket. C'est sûr ce que tu veux faire, Florence? C'est pour le loyer, faut que tu l'envoies. Je crois que d'ici deux mois, ça sera fini. Je peux pas vous laisser partir comme ça. Je vais appeler Marc, on ira chez lui ou chez moi. C'est le premier endroit où il viendra nous chercher. Joël! Joël! Tu mets ta doudoune, s'il te plaît. D'accord. Pleure pas. Pleure pas, mon chéri. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Tu fais attention à toi. Hein. Ouais. Joël. Joël. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Je peux pas faire rentrer quelqu'un après 19h. Quelqu'un, c'est un gosse qui est en danger. Non, je peux rien faire pour vous, madame. Juste pour une nuit. Non, c'est impossible. Il y a un petit hôtel dans la rue à côté, vous pouvez y aller de ma part. Sinon, vous pouvez essayer ce centre demain. Je suis désolée, c'est tout ce que je peux faire.
véhicule. Vous venez avec moi. Ben, voilà la chambre. Okay. Je vous laisse vous installer. Mm-hmm. Et puis vous viendrez me voir dans mon bureau après. Je ne vais pas rester ici, dire à un hôpital. T'inquiète pas, on va pas rester longtemps. T'as soif? Non. Gueule, ils sont où? Attends, tu vois pas qu'on travaille là? Je m'en fous, ça, je veux savoir où ils sont. Qui? Où ils sont? Arrête, Florence et Joël, ils sont où, merde? M'approche pas! M'approche pas! Je veux savoir où ils sont, je suis le père! Arrête! Tu me fais pas chier, je veux savoir où ils sont, d'accord? Arrête, tu tiens! Fais gaffe! Fais gaffe! Tu veux pas qu'elle pète les plombs, Florence? Qu'elle fout ma vie en l'air? Vous faites quoi? Vous vous faites rien? Merde! Raccroche! J'ai rien à me reprocher. Bien sûr que non. Vous avez tout fait pour protéger votre fils, vous n'allez pas en plus culpabiliser. Mais c'est pas le problème. Je suis en fuite comme une criminelle. Je me retrouve dans un foyer pour cas sociaux avec un enfant au bout du rouleau, je sais pas, il y a de quoi flipper, non? Qui est votre avocat? Vous allez l'appeler? Il vous reste un dernier recours légal, vous devez le tenter. Si votre ex-mari est violent et... Mais il est violent! Qu'est-ce que vous racontez, là? Je sais que c'est difficile. Essayez de profiter de votre séjour ici pour faire le point. Oui, bonjour. Passez-moi Maître Bonneau, s'il vous plaît. Monsieur Masson. Monsieur Masson. Merci. Allô, Richard? Oui, c'est Xavier. Non, il est nulle part. Il n'est pas à l'école, je ne sais pas où il est. Bien sûr que je maintiens la plainte. Mais c'est surtout Joël que je voudrais retrouver. Les foyers de femmes battues. Manquerait plus que ça. Je passe chercher la liste. Dans 5 minutes, je suis là. Vous êtes venu pour m'engueuler? Je vous comprends, Florence, mais officiellement, je ne peux pas vous approuver. D'ailleurs, officiellement, je ne suis pas là. C'est la directrice qui vous a prévenu? Oui, et Fanny. Je vais retrouver. Bon, maintenant, la mauvaise nouvelle. Votre ex-mari a déposé plainte pour enlèvement. Qu'est-ce que je risque? Dernière fois, vous avez eu le sursis. Cette fois-ci, c'est la prison ferme. C'est mieux sans lui. Non, mais je joue de ma chance ou tous les avocats sont comme vous? Non, vous n'allez pas recommencer. On peut encore gagner un appel, on peut récupérer la guerre totale. Vous me croyez? Ce que je crois? Ça a de l'importance? On m'a fait passer pour folle, il faut croire que c'est l'opinion des autres qui compte. Et vous? Hein? Vous avez jamais douté? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai tout inventé. Je suis peut-être un avocat décevant, mais j'ai assez d'expérience pour savoir à qui j'ai affaire. Dommage que les juges n'aient pas votre expérience. Eh oui. Allez, je m'occupe de l'assignation et je vous tiens au courant. Ça prendra combien de temps? Parce que j'en peux plus, moi. Je me ramollis, je le déprime. On est enfermés, nourris, surveillés, c'est déjà la tôle. Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, c'est pas ça, la prison. D'ailleurs, depuis la nouvelle plainte, vous n'avez même pas le droit d'être ici. Alors, si vous changez d'adresse, appelez-moi. À mon numéro personnel, on doit rester en contact. On fait comme ça? Allez, ça va aller.
centre d'hébergement Les Mimosas. Personnes, mais aussi de notre soutien à la cause pour laquelle il... Vous n'êtes fermé à cette heure-ci, revenez demain. Ouvrez-moi, je vous en prie, il faut absolument que je les voie. Non, de toute façon, je ne peux pas vous laisser rentrer. Mais je suis dans mes droits, alors maintenant ouvrez-moi, sinon je défonce la grille. Essayez, je préviens la police. Oh, mais écoutez-moi un peu, Florence est dans cette heure, si elle continue, elle va tout faire foirer. Alors soyez gentil, soyez sympa, ouvrez-moi. Désolé, c'est hors de question. Je vous répète, revenez demain matin. Au revoir, monsieur. Mais ouvre-moi. Oh ! Ouvrez-moi ! Florence ! Comment ça, vous vous occupez pas de ça? Mais non, puisque je vous dis que c'est eux qui m'ont donné votre numéro de téléphone. Oui, je patiente. C'est bon, ton chocolat? Qu'est-ce qu'on fait ici? On se planque. J'ai même donné un faux nom au monsieur de l'hôtel. T'en rends compte, t'en auras des trucs à raconter quand tu retourneras à l'école. Tu mens, t'en retourneras jamais à l'école. Bon, t'as fini? Ouais. Bon, bah, tu vas te laver. Allô? Allô? Oui, excusez-moi. Non, je crois que j'ai fait le tour des associations. Alors, je demande... Lisbeth. C'est un numéro en province? Non, au contraire. Je préfère aller loin. Bien. Non, merci beaucoup. Au revoir, madame. Du stop depuis la gare. C'est par là. Le sentier ne se voit pas depuis la route. Il a l'air épuisé, ce petit. Il n'a pas beaucoup dormi dans le train. Vous
Vous savez quand je pourrais voir Lisbeth? C'est moi? Florence. Vous ne pas s'arriver. Oups. Le côté là-bas, c'est la Suisse. Bon, je vous présente Florence et Joël, qui vont rester quelque temps avec nous. Yamina. Bonjour. Laou. Marie. Colette. Et Suzy. Bon, asseyez-vous, vous devez avoir faim, on vous installera après. Je peux mettre mes toiles ailleurs, ça libérera une chambre. Colette, pain. Bon, à tout à l'heure. Je sais pas... Je barbouille, quoi. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là? Moi, ça fait 6 mois. Non, presque un an. Et vous attendez quoi, au juste? On est tous dans le même cas, on est là pour protéger nos enfants. Moi, par exemple, j'ai décidé de quitter la France. Et mes enfants sont toujours sur le passeport de leur père, donc il faut qu'on change d'identité pour avoir un visa. Vous faites comment avec l'argent? On confie nos chéquiers et nos cartes bleues à Lisbeth, avec le code confidentiel. L'association a des adhérents qui retirent du liquide un peu partout en France, en petite quantité à chaque fois. Et jamais deux fois au même endroit pour brouiller les pistes. Mais quand il n'y en a plus à la banque... On fait aussi des dons des adhérents. Et détends-toi, hein, t'es là pour souffler un peu, non? T'as pas de valise? Non, on est parti comme ça. Tu as trouvé tout ce qu'il te faut au grenier? Tout est prévu? Mmh. C'est vrai, je te laisse ça, ça te gêne pas? C'est marrant, on dirait que c'est toi. Non. Oh. Regarde, je t'ai trouvé un truc. C'est à qui, ces trucs? C'est à personne. C'est à nous, maintenant. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Mm-hmm. Joël? Oh, il va s'habituer. À quoi? S'il vous manque quelque chose, dites-le-moi. Ça va aller. Mais j'en suis sûre. Tu t'appelles comment? Kevin. Tu veux jouer avec moi, Kevin? Enfin, non, non, je m'appelle pas Kevin. Lâche-moi. Allez, lâche-moi. Excuse-moi, j'ai pas le temps de te parler, regarde. Je suis désolé, Suzanne, pour la dernière fois. Vraiment désolé, mais quand la justice s'en mêle, tout s'enchaîne. On est dépassé. Si jamais t'as des nouvelles de Florence, n'importe quoi, appelle-moi. Si jamais elle revient à la raison, on peut encore tout arranger. D'accord. Merci, Suzanne. Arrête. Qu'est-ce que tu fous là? Rien, Suzanne t'expliquera. François, tu es chez ton papa. Raconte-nous ce qui se passe. Je veux pas y aller. Non, mais il est venu te chercher. Il dit qu'il faut être gentil. Gentil comment? Il dit que tous les papas le font. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Tu
Joël? Non. Des câlins? Mais en vrai, ils n'ont pas le droit. On peut même les mettre en prison. Oui, Leïla a raison. Et toi, Jonathan? Qu'est-ce qui se passe quand tu es chez ton papa? Oiseau, E-A-U-X. Tu sais, on l'a vu hier. Ça sert à rien, je retournerai jamais à l'école. Bien sûr que si, tu retourneras à l'école. Allez, le calcul maintenant, tiens. Tu m'embêtes. Mauvaise nouvelle? J'ai perdu mon appartement et j'ai plus un rond Lisbeth. Écoute, pour l'instant, c'est ici, chez toi. Ici, tu n'as pas besoin d'argent. C'est pas ma vie, ça. C'est pas moi. J'ai toujours travaillé, fait mon ménage, ma cuisine. Alors, tant que j'avais mon appartement, je pouvais me dire que tout ça, c'était du provisoire. En partant, tu avais un choix. Celui de retrouver ta liberté et d'essayer de rendre à Joël une vie normale. Ça veut dire quoi, une vie normale? Il y a un tas de choses que je peux pas lui donner à Joël. Je suis en train de m'enfoncer et de l'enfoncer avec moi. Je sais plus quoi faire avec lui. Il y a des fois où je regrette d'avoir parlé, d'être partie, je regrette même d'avoir fait un enfant. Tu as le droit à des moments de découragement? Vous êtes satisfait, maître? 3 mois ferme, c'est ce que vous demandiez. Elle ne sentir pas si mal. Par défaut, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Je me demande comment vous défendez vos clients. Vous m'auriez dit où il se cache, j'aurais retiré ma plainte. Sans compter que je pourrais vous faire radier du barreau pour entrave à la justice. Bah essayez, vous ne serez pas le premier. Pensez-y, ma proposition tient toujours. Si elle ramène Joël, vous obtiendrez la liberté conditionnelle. Bah, allez-y comme vous êtes, monsieur Rieux. Ça veut dire que si un flic m'arrête dans la rue, on me met en prison et Joël est confié à son père? Oui, mais ici, vous ne risquez pas d'être arrêté dans la rue. Je vais pas moisir ici, c'est plus possible avec Joël. On est collés ensemble du matin au soir, la plupart du temps, il me fait la gueule. J'en arrive même à le prendre en grippe. Écoutez, Florence, c'est difficile à reconnaître dans ma position, mais je vois pas d'issue légale à votre situation. Ce qui est légal, je m'en fous, on va partir à l'étranger. Vous avez 3 jours avant la notification du jugement. Après, votre ex-mari pourra faire fermer les frontières. J'ai étudié les cartes. J'ai repéré un petit sentier dans la forêt pour passer en Suisse. Vous saviez que là-bas, ils n'avaient pas signé la convention de la Haye sur l'enlèvement d'enfants? Je vois que vous êtes bien renseignée. Ouais. J'ai eu tout le temps pour ça ici.
sais, tu auras besoin de papier pour la Suisse. On te placera dans un foyer à Lausanne. Puis tu verras des têtes nouvelles. Si c'est ça qui te manque tellement. Mais non, c'est vous qui allez me manquer. Bon, écoutez, je comprends pas. J'ai cherché Joël partout, je le trouve pas. François, t'as pas vu Joël? Non. Léla, je t'ai vu jouer avec tout à l'heure. Il est parti. Il est parti où? Je sais pas, il m'a rien dit. Qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? Florence! Il est là! Oh, tu m'as fait tout si peur, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre de moi, je t'embête. Mais non, j'en ai pas marre de toi, j'en ai marre d'être ici, c'est tout. Moi aussi, je veux rentrer à la maison. On peut pas. Un peu de patience. Bonjour. Bonjour. Ça va? Un petit café? Je veux bien, oui. Merci. Vous avez bien dormi? Vous pourriez me prêter de l'argent? Comme ça. Mm-hmm. Je vous le rends bientôt. Vous inquiétez pas. Vous avez besoin d'autre chose? Merci. Ça va? Ouais. T'as passé une bonne journée? Ouais. Tu rentres tard? Ouais. Il y avait vachement de clients.
T'as fait les devoirs que je t'avais laissés? Pas tout. Dans la station, j'y arrive pas. Je vais t'aider. Je me change. On va encore rester longtemps ici? À Genève? Ouais. Bah ouais. D'ici 2 semaines, on aura nos nouveaux papiers. Comme ça, je pourrais t'inscrire dans une école pour apprendre un appartement. Ce sera cool. Et on va rester ici. Ouais. Pourquoi ça te plaît pas? Et on verra plus nos amis. Mais on leur écrira. Et puis on s'en fera d'autres. Mmh. Tu m'as pas fait de bisous depuis qu'on est ici. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? On s'est vu au tribunal. Vous êtes l'amie de Xavier? Je m'appelle Catherine. En fait, je voudrais contacter Florence. Pour quelle raison? Je veux bien en parler avec vous, mais si c'est possible, est-ce qu'on pourrait boire un café? Allez, un petit café. Il s'est mis à boire. D'abord, j'ai pensé que c'est parce qu'il souffrait de plus voir son fils. Ou bien qu'il m'en voulait. Parce qu'il vous a laissé la main? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Faut porter plainte. Vous savez, j'ai souvent pensé au procès. Je suis désolée. J'aurais pas dû me mêler de tout ça. Mais ça aurait pas changé grand-chose, hein? Ni au procès, ni à ce qui vous arrive maintenant. Xavier est violent, c'est pas de votre faute. Bon, on se connaît pas, vous êtes pas venu me voir pour vider votre sac. Vous pouvez agir et vous devez le faire. Pour vous et pour Florence. Vous avez des nouvelles de Joël? Non, je sais pas. Ça va aller? Merci. Je vous en prie. Vous voulez autre chose? Non. Évidemment, il a essayé de lui faire retirer sa plainte, mais il a refusé. On l'a convoqué au commissariat, il a été cuisiné par la brigade des mineurs. Il a tout avoué. Comme ça? Eh oui, il s'est retrouvé tout seul, coincé. Il a craqué. C'est fini maintenant. Ça peut pas s'effacer. Non, mais vous apprendrez à vivre avec. Ça sera pas facile, mais je suis pas inquiet. Joël a une bonne alliée. Je suis sûr que vous allez gagner en appel. Xavier sera déchu de ses droits, il va passer un moment en prison, et à sa sortie, ça m'étonnerait qu'il continue à vous persécuter. De toute façon, on a décidé de rester ici. Vous savez, j'ai proposé à Lisbeth de créer un relais de son association à Genève. Ce sera juste une permanence, parce qu'il faut que je bosse aussi. Elle m'a vachement aidée pour des papiers. Des papiers en règle avec mon nom de jeune fille. Ah, je me disais bien que vous aviez quelque chose de changé. Les papiers. J'aurais plus besoin d'aller chez les psys. Non, bien sûr que si. Tu te sens pas mieux depuis que tu y vas? Bof. Bah moi si. Je suis sûre que ça te fait du bien, je le sens. Et l'avocat? Maître Rieux? Il te plaît. Bah, pourquoi tu dis ça? Comment ça il me plaît? Je te trouve sympa, c'est tout. Il est quand même venu te voir. Mais il est venu pour nous deux. Il fait son boulot. Je suis sûre que tu lui plais. N'importe quoi. C'est vrai, il me plaît un petit peu. Mmh, je le savais. Et à toi? Oui, un petit peu. Thank you.
should never leave me but your love.